Salut les amis, c'est TTWalk, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nouveauté dans la collection. Oui, j'ai arrêté depuis un petit moment sur YouTube, je m'excuse les amis. Et bah, YouTube, je vais mettre une vidéo voiture sur ma chaîne principale exprès pour ceux qui veulent voir mon compte secondaire. Donc les amis, oui, ça fait un long moment que j'ai pas fait YouTube, pratiquement je crois plus de 6 mois. Alors j'ai l'explication, c'est que là en ce moment, moi je travaille maintenant, donc je peux pas trop faire de vidéos, bref. Mon cousin lui aussi, bon voilà, c'est un peu spécial, mais nous on n'a pas trop le temps. J'ai TikTok à gérer en même temps maintenant. Donc voilà, ne t'inquiète pas, je ferai quand même des vidéos de temps en temps, mais voilà. Donc aujourd'hui, ça va parler de voitures miniatures, de dioramas, tout ça. Un univers que je parle pas, je presque jamais sur ma chaîne principale. Donc là, c'est pour promouvoir ma chaîne secondaire qui était active déjà depuis pas loin d'un an. Donc voilà, la fin de la chaîne est dans la description, le compte TikTok dans la description aussi, et les trois comptes Instagram de la chaîne, YouTube, presse secondaire, et dans la description aussi. Bon les amis, aujourd'hui là on va parler un peu de voiture et diorama. Pour l'instant, en diorama, j'ai fait mon petit conteneur, je sais pas comment on ouvre. Il faut que je le colle, mais attends, je sais plus comment on ouvre le conteneur. Attends, je sais plus comment on ouvre mon conteneur, déjà. Oui, j'ai fait un conteneur maison, mais il faut que je le fasse avec les... Faut que je fasse les bandures, ça... En mousse, donc j'ai une mousse derrière, je vais la récupérer. Vraiment, ça va être du beau travail. C'est là. Voilà. Donc, j'ai fait un conteneur avec une boîte de médicaments. Bien sûr, le conteneur va être pas 100% réaliste. J'ai fait, alors là, j'ai commencé un compteur électrique. C'est maison. Donc là, il va juste mettre ça à côté avec les câbles. Donc, tout ce qui est architecture, c'est bon. Chez moi, j'ai bien sûr une caserne qui va avoir lieu. Et les amis, là, on va parler du lourd. Un carton et il est plein. Ouais les amis, ça fait un moment, donc là il y a tout une grosse partie de la collection qui est là dedans. Donc on a des véhicules de secours, on a des véhicules de sportives américaines, de tout. De tout les amis, on va commencer par les véhicules de secours. Je suis à ce moment, je suis un grand fan des pompiers. Depuis un petit moment je suis grand fan des pompiers et je me dis pourquoi pas faire une caserne rien que des pompiers ou des secours à victimes, bien sûr. Pompiers et ambulants et secours type SAMU ou police. Mais là, je dis une caserne 100% pompiers, ça pourrait être génial. Donc, je suis en plein dedans, les gars. Là où je vous parle, je suis encore dedans parce que c'est long, très long. Parce que je grandis sa caserne au fur et à mesure. Et voilà. Mais je garderai toujours les petits morceaux qui me restent. Donc, voilà. Donc, on va commencer par un Berlier. Donc, c'est une vieille marque qui n'existe même plus, les gars. Celui-là, c'est un camion grand mousse. Donc, c'est un camion, bah, comme on l'a dit, pour mettre de la mousse sur des feux spéciaux. Donc voilà, un camion citerne grand mousse. C'est dur d'en trouver comme ça parce que c'est dur quoi. C'est dur parce que ça court pas les rues, surtout un Berlier, voilà, comme des comme ça, c'est rare. Donc voilà, un grand mousse de chez Berlier. Bien sûr, c'est une belle. Bon, il manque le canon, mais ça, je m'en fous. Tant que ça peut servir de décor, c'est bon. On continue, on va retourner rester chez Berlier avec un CCF. Alors je pense à la fin, je suis peut-être fan des pompiers aussi. CCF, bon, pour ceux qui sont pas très calé là-dedans, ça veut dire camion citerne forêt feu. On dit feu de forêt parce qu'il y a deux F après. Donc voilà, donc c'est un petit Berlier aussi. Bon, c'est que l'ancien, bien sûr, parce que je trouve que l'ancien, j'adore l'ancien véhicule. Acheté ce matin, les deux pour l'instant. Là, j'ai un autre pompier, donc c'est les pompiers d'urgence d'asphyxie, je crois. Alors, si vous me trompez, vous n'allez pas me le dire. Donc c'est un Peugeot Expert. Ouais, un peu j'espère. Voilà, très très beau, franchement. Alors, ce que j'ai en plus de tout ça chez moi, j'ai un FPT, un CCR, un EPAN et une VL. Et je cherche le VLHR. C'est ça que j'en cherche le plus. C'est ce qui me manque. On continue avec les pompiers. Là, on a un poste de commandement miniature mobile. Alors, c'est un des premiers, je pense, des petits fourgons de rien du tout. L'avantage, ce que je vais faire dans la caserne, c'est que je vais faire un côté réaliste, pas totalement rangé, vous voyez. Un camion, un gars qui vérifie, voilà, les... Ça gueule en bas, ça gueule tout le temps, je sais pas pourquoi. Voilà, hop. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux mettre comme ça dans la caserne, et je peux, après, voilà, mettre des soldats derrière et faire voir. Voilà, donc ça, c'est un Peugeot J9. J'ai pas mal de Peugeot. Un J9, donc très très beau. Bon, on va dire c'est un peu jauni, mais c'est avec le temps, les gars, on n'y peut rien. Franchement, très beau. J'avais une ambulance, mais je sais plus où je l'ai mis. Ça c'est rien du tout. On continue. Oui, avec un autre, je me suis fait avoir. Alors, les amis, c'était acheté en deux parties, mais voilà.
un camion Ford avec sa citerne à l'arrière. On appelle ça un train routier. Nous en France, c'est juste comme ça. Mon Israël, le gars, c'est carrément un giga train routier. Donc voilà. Très très beau, franchement. Bon, après, ça a déjauni parce qu'avec le temps, ça a déjauni le plastique. Mais vraiment, c'est le clip Shell. Donc je pourrais mettre avec mes voitures Shell, de mes voitures à rétrofiction de la compagnie Shell. On continue avec des voitures non, bien sûr, en boîte. Donc là, oh putain, c'est encore cassé. Attendez, les gars, 2 secondes. Attendez, 2 secondes. Oh les gars, désolé. Là, on a encore. Ah, il y a un problème avec la. Attendez, juste 2 secondes. Encore une fois. Vous allez voir en direct comment réparer une voiture. Ça va servir un peu de tuto. Voilà. Là, on a une Audi. Encore à l'avant maintenant. Ah, ok, à l'avant, c'est défait. Donc, ça, normalement, c'est une Audi Quattro. J'en ai deux normalement. Mais celle-là est en train de partir en morceaux. Bon. Voilà, je vais la réparer chez moi. Audi Quattro, verte. Moi, j'ai un problème de roue. Et là, les amis, nous avons une F40. Une F50 de chez Ferrari. J'ai 3 F40. Voilà. Une petite Ferrari F50. Très, très belle, franchement. On va pas abîmer là, le gamin. En fait, j'ai acheté ça à un gamin, la voiture, là. La Ferrari, il me l'a fait à 1 euro. Ça va, attends, le mec, il voit que sa voiture va commencer à m'intéresser. Voilà. Le problème, c'est que moi, à la PSTEL, où je suis, bah, je suis d'origine de cette pièce de la PSTEL. Et je suis gaulé. Voilà, je suis gaulé. Je peux plus me montrer en tant que visiteur. Maintenant, je me montre en tant que collectionneur. C'est bizarre. Passer d'un gamin comme moi, qui à l'époque adorait jouer aux voitures, à un gars comme ça qui collectionne des voitures, 344 voitures, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait bizarre, quoi. Ça fait 1 an et demi que j'y suis, je suis déjà à 344 voitures. J'arrête parce que j'ai pas de place dans mon appart pour les exposer. Mais voilà quoi, c'est dommage. Mais après voilà, j'ai pas mal de voitures et j'ai hâte de continuer ma collection quand j'aurai mon appartement. Allez, on continue. Ah, celle-ci, j'en ai un, je l'ai vanné avec parce qu'il n'en a pas. Il est passé dans l'américaine, mais voilà. Les amis, ceci, c'est un prototype de chez Renault qui a abouti bien sûr à une version autre que celle-là. Moi, j'ai bien dit Renault, voilà, donc c'est non, c'est pas un prototype de chez la Clio, ni de chez la Twingo, c'est la Mégane, n'importe laquelle, la Mégane RS Trophy. Donc maintenant, on la voyait plus moins rincée, bah, dans le temps, ils ont fait un prototype, pour ça, on est de 2004 à Paris. Et voilà, voici la version qu'ils ont voulu voir pour une Quattro de course. Vraiment, voilà, très très épurée, voiture de rallye à fond, le circuit, voilà. Donc c'est un prototype, bien sûr. J'ai pas encore confirmé, mais normalement c'est un prototype. Donc c'est une Renault Mégane Profi. On continue, les gars! Les gars, ah, ça c'est mes bébés. Récemment, vous avez souvenu peut-être, j'avais une Bentley Continental Super Sport. Eh bien, j'ai trouvé son ancêtre, la Bentley édition spéciale, mais je sais pas le modèle exact. Voilà, ça c'est une Bentley, une vieille Bentley. Ben, j'avais pas Bentley dans une très ancienne voiture. Ben voilà. En plus, les gars, tout est en métal. Là, je le parle comme ça, mais il est un peu lourd. Hein. Le pot en métal, le moteur, le faux moteur en métal. Toute la voiture, à part bien sûr les pneus qui sont en plastique, mais sinon, toute la voiture est soit en métal, full métal, ou un peu de plastique. C'est tout. Les Anglais, ils savent pas faire les choses à moitié, ça se voit. Voilà. Une Bentley. Et là, j'ai encore une voiture que je n'ai pas dans ma collection non plus et que je ne connaissais pas le modèle non plus. Les gars, c'est une Hudsell Citation. Voilà, une voiture américaine. Je m'en doutais pas. Voilà, une voiture américaine avec les jantes, bien sûr, avec les jantes un peu flamblantes. C'est stylé, c'est style américain. Voilà. On continue. Là, on va se taper maintenant les voitures à boîte parce que c'est plus long. Encore une boîte, ça, c'est mon fou, ça, c'est pour un projet. Mes amis, celle-ci, je la voulais parce que je n'avais pas de voiture ancienne de chez Shelby. À part bien sûr la grosse, mais en bonne origine, je ne l'avais pas. Et en fait, ceci est d'une Shelby GT500 de 1967. Chataya. Elle vient de Chataya. Et je dis oui, celle-ci est très très bonne. Oui, il y a le prix en dessous, elle m'a coûté 10 balles. Ça va. Ah, je vais l'enlever pour que tout le monde la voit en dessous. Voilà. Très très belle, franchement. Voilà. Une boîte d'origine en plus. Les amis, j'ai aussi une autre voiture en boîte comme ça. J'ai une Renault 4 chevaux Police. Eh oui, ma première 4 chevaux. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est la version Police, les gars. J'ai remis le scotch comme il était d'origine.
Parce que le mec, il avait un scotch pourri. Ça a dû être ouverte. Donc voilà. En plus, on voit pas trop mal. Quand ça se passe, on voit pas très mal. Voilà, on voit un peu le scotch là, mais c'est pas grave. Donc voilà, les gars. Ma première 4 chevaux, et c'est ma première 4 chevaux police. Ça coûte tout trop. On continue. Là, les amis, on va chez Hot Wheels. On va chez Hot Wheels. Là, j'ai acheté un pack le 11 août. Donc, j'étais encore en vacances. Ceci, c'est le pack Hot Wheels Hot Wheels Flame. Donc, il y a une voiture que je n'ai pas, des voitures que je n'ai pas, mais une marque que je n'ai pas du tout. Et que j'ai eu un débat avec mon oncle. Il m'a fait beaucoup rigoler. Donc, les amis, dans ce pack, il y a bien sûr 5 voitures. Il m'a dit, c'est quoi la voiture en gros noir? Et ben, je vais vous la dire. Je sais pas la sortir parce que j'ai pas envie de tout ranger après. Donc en haut, on a une Willys 41, la noire. En dessous, une Hemi Barracuda. En dessous, la blanche, une Camaro de 69. En dessous, une Dodge Charger 69, une Dodge Charger 500 de 69. Et tout en bas, la Falcon XB. Très très belle, franchement, j'adore. Franchement, c'est des belles voitures et du moins que ça conduit comme ça. Bien sûr, en autre boîte, j'ai eu aussi de chez CQ maintenant, une marque allemande, bien sûr, une Kia Torrento. Voilà, la petite Kia. Moi, bon, je l'ai ouverte, hein, mais vous allez voir, je vais l'ouvrir après. On va retourner chez Hot Wheels avec une voiture de chez eux. Moi, bon, je vais prendre le cutter pour l'ouvrir, mais c'est pas grave. Donc là, c'est une Toyota A86 Sprinter Torino de chez Hot Wheels. Encore une Toyota dans ma collection, ça fait énormément de Toyota dans ma collection. J'en ai maintenant 5. Non, 4. Attends. Oui, 4. Oui, attends. Oui, 4 voitures. Pardon, 4 Toyota, c'est déjà pas mal. On continue. On va retourner chez CQ et on va en Allemagne, les gars. Et ouais, parce que j'ai un autre fourgon qui est spécialisé. Là, celui-là, il est sponsor de CQ. C'est un véhicule sponsor qui est actuellement dans les catalogues de CQ. Donc, c'est avantageux. Donc c'est un Volkswagen Transporter. Donc Volkswagen, par contre, j'en ai énormément. J'ai un combi. J'ai une polo que vous allez voir bientôt. J'ai lui. Et j'ai une... attends, combi, Transporter, polo et la trottinette. Ça fait 4. Ouais, génial. 4 voitures de chez Volkswagen. Alors il y a toutes les marques où je n'avais pas beaucoup de voitures. Bah, ils sont en train de grossir. Par exemple, j'avais par exemple Audi. J'avais pas énormément d'Audi. Bah, maintenant, j'en ai pas mal. J'en ai environ 5-6. Lancia, j'en ai 3. Bon, 3 parce que j'ai une que j'ai déplacée parce que j'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voiture? Peugeot, j'avais pas énormément de Peugeot, j'en ai pas mal. Renault, pareil. Ferrari, bon, ça c'est tout toi. Nissan, j'en ai commencé à en avoir pas mal. Vraiment, toutes les petites marques, j'en ai commencé à en avoir pas mal et ça c'est génial. Ah, les amis, celle-ci c'est mon chouchou, c'est mon Hot Rod. Oui, les amis, j'ai acheté un Hot Rod et j'ai récupéré tout de ma collection. Mais ça veut faire personne. Ceci, c'est le Hot Rod Bone Shaker. Bon, il est un peu mal ouvert, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un Hot Rod, j'aime bien trop bien. Franchement, voilà. Donc, les voitures, vous allez les retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur les vidéos que vous voulez voir. N'hésitez pas à les voir TikTok, les amis. Donc, ça, c'est un diorama que je vais faire. Donc, c'est un petit camion. Un camion de chez Majot. Donc, c'est un plateau, tout ça. Mais je m'en servir comme projet. Donc, ça reste ici. Parce que je peux jeter en même temps. Les amis, il y en a un sur TikTok qui m'a demandé une Camaro de 79. 79. Voilà, la petite Camaro pour lui. Donc, ce sera fait pour le 2000e abonné qui va arriver. 2000 abonnés. Car il arrive très grand pas en plus. Alors, après, voilà, je ne peux pas tout sortir. Ah, si, attends, il y a des voitures que je vais sortir. Attendez, ça, ça. Et le reste, les amis, c'est que des babioles. On va pencher. Voilà ce qu'il y a. Voilà. C'est pas énorme. Les amis, là dans les mains, j'ai deux françaises, dont une qui est ultra mythique. Même ce qu'il y a dessus, c'est ultra mythique. Nous repartons dans la Seconde Guerre mondiale en France. Ça remonte bien loin. Ouais, on préfère oublier. Bah, pas les fabricants de voitures. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, certains fabricants ont fait un gros boom. Ils ont fait un gros bond dans l'histoire. Par exemple, Volkswagen qui a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Citroën qui a fait un gros bond avec sa traction. Peugeot avec beaucoup ses véhicules militaires. Renault avec les véhicules militaires. Bref, vous avez compris, toutes les principales marques du monde ont réussi à être un militaire. Et bien, on va parler de Citroën.
parce que c'est une voiture qui est mythique, qui est même plus légendaire, parce que cette voiture, avec la configuration qu'elle a, elle est légendaire. Je parle bien de la FFI, tout ce qui est, pour ceux qui ne comprennent pas un peu le langage militaire, c'est Force Française Indépendante. Cette voiture, je l'ai cherchée depuis des années, depuis que j'ai commencé la collection finalement. Parce que j'ai commencé à faire un an et demi que je fais la collection, mais ça faisait aussi un an et demi, ça faisait un an que je cherchais des voitures, mais j'avais pas trop la place. Donc celle-ci, c'est la FFI de la traction 11, de la date de 1941. Donc voilà, la voiture de malade. Ça, là, je l'adore. Elle, les gars, je pense qu'elle va être en fond de mon compte secondaire Instagram. Mon compte principal, parce que c'est une voiture qui est très très belle. Franchement, très bien détaillée, il y a vraiment tout. On a les sigles, on a la croix de Lorraine. On a la croix de Lorraine dessus avec le V de victoire. On a le petit drapeau français sur le haut, là. Franchement, c'est génial. Même, même devant, regardez, on a le FFI là et la croix de Lorraine de l'autre côté. Voilà. J'ai même pas remarqué, les gars. Juste sur le pneu, il est marqué FFI aussi. Donc, franchement, et même plus avec la vieille plaque à l'ancienne. Oh là là là. Les gars, je suis trop comblé par ces voitures-là. Et on retourne encore là, cette voiture. Ah, attends, il y a un problème avec. Là, j'ai oublié de l'enlever. Et je vais le remettre. Voilà. Les amis, cette voiture elle a été existante encore, mais des versions nouvelles. Elle a été existée sur la Williams, les RS Trophy. Il y a eu quoi d'autre? Les Juniors, les Campus, les Estates. Voilà. Vous avez compris. La Clio. Et voilà la petite Clio. Regardez la petite Clio d'amour. Celle-ci, c'est une version chocolat, couleur chocolat, donc elle est très très belle. C'est ma première Renault Clio de ma collection. Et j'espère que j'en aurai pas mal. Donc, voilà. Et après, voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant dans ma collection. Bien sûr, faut pas oublier ma Peugeot, ma Renault Mégane classique pompier, mon Mercedes CDL, donc camion individuel léger. Et bien sûr, tout le reste de ma collection, les Smart, toutes les Porsche. Vraiment, du bonheur, les gars. Je suis très très content d'avoir une collection de ça et je suis content d'avoir une communauté comme vous sur TikTok, YouTube, même Instagram. J'ai même des gens qui sont rien que sur mon compte Instagram, rien que sur mon compte YouTube ou rien que sur mon compte TikTok. Franchement, il y a du monde qui vient et me dit ouais, je t'ai chargé depuis des moments, t'es fait une collection de voiture. Ce qui m'est arrivé réellement. Attends, je finis de ranger les gars, je vous explique. Je vais raconter un truc qui s'est réellement passé, les gars, et ce matin, après un live, hier. Hier j'ai fait un live, attendez, je vous explique. Je range les bordels. Alors, un peu un anecdote de hier. Je crois hier ou demain, hier ou aujourd'hui, je sais plus. Les gars, j'ai quelqu'un qui m'est. Ce matin, j'ai fait un live, après on va passer la brocante pour ça. Non, c'était hier. Hier je faisais un live pour prendre un peu la brocante, tout tralala, voilà. Et là je vois quelqu'un, avec un pseudo que je connais même pas, il me dit ah, c'est toi qui est collectionneur de voitures. Je dis oui, c'est moi. Ah, oh bah je te cherchais depuis un petit moment, on m'avait parlé de toi. Attends, comment ça? Je me suis dit, on parle de moi. Voilà. Je dis à lui, il me dit, ouais, franchement, on m'a parlé de toi, tu fais des vidéos géniales. Et c'est même abonné. Et maintenant, depuis que je fais les lives, il me pose une tonne de questions. Et j'adore ça parce que c'est quelqu'un qui est passionné par mes vidéos. Bon, je dis pas que les autres sont pas passionnés, mais je crois que lui, il est encore plus à fond dans mes vidéos. Je crois que c'est lui qui me fait le top des vues, je crois, depuis un moment. C'est impressionnant. Et franchement, j'ai jamais fait de top de vues autant. Là, en un an du TikTok, j'ai fait déjà deux fois plus de 10 000 abonnés, des 10 000 vues. On approche à grands pas sur TikTok des 2 000 abonnés. Je crois que je suis à 1929, un truc comme ça. Franchement, ça arrive très vite et j'ai pas le temps de me préparer, les gars. Là, ça va. Demain, je peux arriver aux 2100 abonnés. Demain, ça me rend compte. C'est impressionnant. Mais voilà, c'est des abonnés comme ça qui font grandir mon idée de collection. Voilà. Après, sur Instagram, on est moins parce qu'il y a moins de gens qui vont sur Instagram. YouTube, ce compte-là que j'utilise, donc le compte principal, a 48-49 abonnés. Et ce compte-là n'a que 4 ou 5 abonnés. Donc, c'est pas beaucoup. Oui. Ou parce que j'y vais jamais pratiquement. Parce que je regarde pas, parce que je sais que je poste pas beaucoup de vidéos. Et voilà quoi. Je devrais. Donc voilà. Et ben oui, je m'équipe aussi, les gars, pour la collection parce que. Là, à ma gauche, donc vous, c'est à droite. Voilà. Là, c'est mon ordi qui est à côté. Je me suis investi un petit ordi pour mettre cette collection.
Franchement, la collection va prendre l'ampleur, les gars. J'ai un collection. J'ai une sacoche qu'il faut se mettre dans un sac. J'ai un ordinateur. Franchement, j'ai mon téléphone, moi, qui me sert beaucoup. Bon, en fait, le téléphone, faut que je change parce qu'il commence à mourir. Malheureusement, mon téléphone est en train de mourir. Donc, je peux pas trop faire de bonnes vidéos avec. Voilà. Donc, les gars, et voilà, je m'investis beaucoup. Je vais peut-être changer d'appartement à cause de mes voitures parce que j'en ai tellement. Que voilà. Et je remercie. C'est mon cousin, Ilian, donc le monteur, vous avez peut-être l'habitude de voir avant. Je remercie un peu de m'avoir lancé dans ce monde-là parce que moi, de mon côté, au début, je vous explique, au début de la chaîne YouTube que j'ai lancé, celle-ci. J'avais 2 abonnés, mon cousin et ma mère. Et je voyais que ça avançait pas, mon cousin voyait que ça avançait pas, tout ça, il me dit laisse-moi faire, je te le fais. J'étais en vacances le jour où j'étais parti en vacances à côté de l'Héron. Et j'ai dit bah tiens, je te passe une vidéo, montre-la moi, et voilà. Et il m'a fait un montage nickel, d'où la vidéo bah, du Fort Louvois. Voilà. Même les premières vidéos, j'ai eu du mal à y croire qu'on a tenu, qu'on tient encore plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans qu'on est sur YouTube avec mon cousin. Et j'arrive pas à y croire que vous êtes quand même 48 encore à nous suivre. C'est aberrant. Voilà. Bien sûr, voilà. C'est grâce aussi à vous, les gars, et à mon cousin. Donc voilà. Je remercie mon cousin, Ilian. Franchement, le cousin, tu gères trop. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Merci tout le monde. Salut tout le monde.